Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Aïlen TV. Bienvenue dans la troisième sortie journal là pour semaine ça rapidement qui te présente nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Gouvernement haïtien a organisé une cérémonie de distinction pour 65 policiers jeudi mercredi 20 juillet 2021 pour récompenser pour le travail accompli sur le territoire national. Le directeur général de la police nationale, la France LP, n'a pas caché contentement là pour cérémonie cela et puis fait qu'on est la police là pour le fait un bon usage avec matériel gouvernement mis à disposition. 20 juillet 2021, 20 juillet 2022, marqué une année depuis Ariel Henry prend tête pays. Après le mot président Jovenel Moïse, c'est dans la logique ça, plusieurs structures politiques mettent tête ensemble pour lancer une journée manifestation sous Chan Masla pour dénoncer mauvaise gouvernance Ariel Henry avec le dernier massacre qui fait dans Cité Soleil, côté environ 300 personnes mouris selon RNDDH. Office de protection citoyenne en tête relié avec Avocats sans frontières Canada en Haïti pour céder à classement officiel. Il y a un projet qui est le guide pratique sur le recours en habeas corpus, journée mercredi 20 juillet 2021, qui est un outil technique qui permet aux acteurs judiciaires et aux organisations qui défendent les droits de lutter contre la problématique de détention préventive prolongée. Ministère d'Éducation et Formation Professionnelle MENFP dans tête collée avec Comédie sans frontières Haïti, COUSAF et puis UNICEF lancé officiellement camp d'été 2022 en baptême joué pour la vie jeudi mercredi 20 juillet 2022. Côté yo paré pour recevoir plus ça passer 1400 personnes pour participer dans camp cela qui pral permettre tout ti moun recréer pendant y a pas prendre pendant vacances d'été. Voilà, amis téléspectateurs, ensemble pour ça yo avec un pilote qui va développer et débrancher pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, amis téléspectateurs, mais développement journal là. Le gouvernement haïtien a organisé une cérémonie de distinction pour divers policiers jeudi mercredi 20 juillet 2021 pour récompenser pour le travail accompli sur le territoire national. Dans ce contexte, le Premier ministre Ariel Henry souligne que le kidnapping, assassinat et vol sont la cause de la population qui a perdu confiance dans la police nationale. Une situation qui d'après ça les fait connaître après elle changer quelques temps après l'été prend pouvoir après la mort ancien président Jovenel Moïse. Ariel Henry fait connaître les quitter une lettre pour chaque grand policier qui était sélectionné pour participer dans la cérémonie cela. En attendant décoration au Paris pour remercier yo comme ça doit. L'étape dit plus dans micro Rose Adeline Pierre à Kervin Loriston. Les Haïtiennes et les Haïtiens doivent savoir qu'au sein de la PNH il y a des citoyens dévoués, conscients de l'importance de leur mission et de leur responsabilité. Il faut que cela se sache que malgré la mauvaise publicité qui lui est faite, la PNH n'a pas démérité. Il y a un monde qui dit la police a un mauvais grain dans le temps. Ce n'est pas menti. Mais ils n'ont pas en pile. Et chaque fois que nous découvrions, nous avons fait ça la loi dit contre eux. Je profite pour m'encourager et féliciter toute maman, tout papa, tout mari, toute madame, toute petite, frère, soeur, voisinage policier. Je dis nous devons être fiers de policiers nous. Faut nous dire ça pour nous connaître, nous apprécier. La police n'a fait travail avec zone dans conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est pour ça que je demande au commandant en chef là pour sélectionner quelques policiers méritants
qui fait preuve yo sous terrain et qui méritait une décoration. Il présentait plusieurs nombres moins. Mais malheureusement, décoration pour comparer. N'a pas eu une lettre. N'a pas eu un témoignage de appréciation. Alors, je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lointain, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous montez la garde. Comme je l'ai dit, en attendant les décorations, je vais laisser à votre commandant en chef un petit présent qui se chargera de vous remettre. Geste symbolique, mais qui dit toute notre fierté de vous compter parmi les agents de la PNH. Encore une fois, et merci pour votre service. Et l'autre côté, directeur général de la police nationale, la France LP, pas caché contentement pour cérémonie si là. Et puis, faire connaître la police pour faire un bon usage avec matériel que le gouvernement mettait à disposition pour les continuer. Et remercier le gouvernement haïtien qui mettait à disposition les policiers et une prime pour risque toute qualité à confronter dans le cadre de travail. DGPNH a fait connaître l'instance là, pas suspendre pour continuer à protéger et puis servir la population, faire respecter la loi sans passe pour qui. En suivant l'intervention, toujours dans le micro, vous Staline Pierre à Kakavien, Floriston. Nous tenons pour que nous remercions le gouvernement pour AXA. Et c'est un gros pas. Maintenant, il était au niveau recommandement pour que nous travaillions, pour que nous mettions de balises. Mettez des structures pour que les policiers soient capables de réellement bénéficier de ça. Sans travail administratif, ça, les policiers sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre nos travail au niveau du commandement pour nous préparer les documents administratifs, sensibiliser les policiers dans toute direction départementale, dans tout commissariat pour nous expliquer, discuter avec eux sur le décret ça. De façon à ce que pour bénéficier si par malheur en bagaille tarifée. Par ce temps, la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes va prendre un nouvel élan. La lutte que nous avons menée contre bandit, toute qualité bandit, j'en ai souvent dit bandit avec sapate, tant que bandit avec cravate. Nous avons continué à prendre responsabilité nous dans la question de sécurité pays. Nous avons toujours travaillé pour une police professionnelle, apolitique, qui papa ne prend aucune partie. Nous sommes là pour que nous respections la loi, pour appliquer la loi. Et là, nous avons mené enquête, côté enquête, la mené nous avons allé. Sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de non-monde. C'est un devoir à la nation et c'est un engagement constitutionnel que nous prenons responsabilité. Policiers mieux,
On connaît que chaque jour, on a goumé dans la rue. Surtout dans la zone métropolitaine. On a goumé centre-ville, on a goumé Torcel, on a goumé la Tremblay, on a goumé Canaran. Chaque jour, son lutte. Jodia, la Tibonite. Recommencez. Mais nous pas faillir. Il est difficile, mais victoire c'est pour nous. Avec détermination, non? Avec engagement. Non? Et je crois, avec équipement que, qui peut arriver, que nous souhaitons écrire rapidement pour que la police là vienne pidjam pour répondre à la responsabilité. Je connais un pile nous là impatient. Impatient pour nous lever des filles. Nous pas prêts pour lever des filles. Kembe Jam. 20 juillet 2021, 20 juillet 2022 marqué l'année depuis Ariel Henry prend tête pays après la mort ancien président Jovenel Moïse. Une année après, condition la vie peuple la vini plus mal, crise la amplifié. C'est dans logique ça, plusieurs stricti politique mettez tête ensemble pour lancer une journée mobilisation sous champ de masse là. Mettez plusieurs qui étaient dans la rue qui t'a dénoncé mauvaise gouvernance Ariel Henry. Sans oublier dénoncer dernier massacre qui fait dans Cité Soleil, côté environ 300 personnes mourir selon RNDDH. Jelen Joassin et Alex Janté sur place en suivent un reportage. Comme ça a été annoncé, force opposition radicale pour changement, espace mobilisation nationale, avec un pilote estricti, te fait qu'on est, y a prend béton pour continuer à dénoncer mauvais pratiques gouvernement en place là. Dr. Ariel Henry a dirigé. Objectif principal mouvement ça, matin mercredi 20 juillet, c'est dénoncer kidnapping, insécurité, toutes actes violence et criminalité yo, pour demander un plus bon système judiciaire, dénoncer la vie chère à gangou en Haïti et puis chômage. Peuple est pourri, peuple Cité Soleil est pourri, pour le village de Dieu est pourri. Alors on n'est pas gentil. Et puis nous-mêmes, je dis à la. Nous pouvons déplacer pour la devant primature, pour la dire à Yadarine, l'île doit quitter tête primature, parce que le problème, la misère de vous, après le mandat, et sécurité qui tapine de continuer après le mandat. Et puis si je viens de Moïse, alors c'est compliqué. Je tiens à bagaille de ville 4 fois plus compliqué. Et non, nous constatons plus pour mourir, plus insécurité, plus la misère. Si vous avez tiré au bottier, sucre, farine, l'huile, etc. Pour dire, pour mettre ces sites à monter. Production nationale a crassé plus. Pas de aucun. Production nationale, pas de emploi en deux pays. Qui donc, c'est chômage, nous dit que cette fois-ci, il faut nous capables de dénoncer ça. Nous-mêmes, Moun Solino, nous-mêmes, chauffeurs moto, nous-mêmes, Moun Cité Soleil, nous-mêmes, Fonds National, nous-mêmes, Moun Belle, qui a couru en Babal, Moun Maya, eh bien, nous continuons à mobiliser tout côté contre Ariel. À toute équipe SDP, équipe criminelle, assassin ça, qui empêche nous vivre dans le quartier populaire. Et pour raison ça, nous-mêmes, nous là pour nous payer prière. Et bien, quand il y a une mobilisation contre de facto assassin criminel ça, qui empêche le pays à l'eau souffle, nous toujours pour nous présents sous béton. Et raison ça qui explique la présence nous là. Citoyens ont senti révolté contre anarchie, contre forme direction qui gagne dans le pays. Les militants ont demandé à Ariel Henry démissionner sans condition. Moi-même, je suis un citoyen haïtien qui est révolté. Je ne sais pas le mouvement qui a fait, qui organisation qui a fait, ou soit qui passe politique. Moi, juste comme un citoyen, je suis révolté de tout ce qui a passé dans le pays. Je suis porté présence, je suis venu. Pour me dire non avec l'anarchie. Pour me dire non à mode de dirigeance. Pour me dire non. Avec après yo c'est yo les gars sont sénateurs li sont députés li vinn ministre l'al DG li sont ministre li DG la sénateur l'al député après sont les sénateurs députés vinn ministre déjà quoi après yo c'est yo après Joseph Bialy là tout gouvernement et monsieur Bisbosil là tout gouvernement net qui gagne après yo c'est yo qu'est-ce que ça veut dire nos pays hein au pays qui gagne toutes jeunes ça qui termine étudio hein qui plus spécialité ça veut dire après yo c'est yo Josia nous vinn dire non pays a pas gagne leader là dedans. Yon l'autre côté, plusieurs l'autre militants politiques condamnés à toute force yon, massacre qui fait dans Cité Soleil là. Côté plus passé, 300 moun mouri, selon un rapport RNDDH. Militants politiques yon frustrés. Son mouvement que nous lançons pour que nous portions solidarité nous envers moun Cité Soleil yon. Nous avons un gouvernement criminel, un gouvernement qui là qui pas travail pour peuple. Je dis à
nous là pour que nous dit peuple haïtien pour qui ça nous pas qu'à faire ça monde si l'en caillou faire parce que je dis à nous grand goût y a tué nous y a kidnappé nous qui ça qui était pour que nous même nous faire explosion sociale là pour que nous débarrasser pays là de ça qui a passé là moi même comme un élu du peuple côté que collectivité c'est la nouille moi même contre ça qui passe ces soleil là parce que si ces soleil déjà c'est une zone qui est vulnérable. Et puis qu'on y a pour massacre ça fait là dans encore d'ailleurs pour moi-même son massacre politique lié. Moi condamner ça énergiquement. Les décamper ça fait dans cadre yon l'année depuis Ariel Henry dans tête pays d'Haïti, militants yo constaté yon bilan catastrophique pour Ariel Henry qui mettait tête à secteur démocratique et populaire. Je veux dire fait un an mandé équipe Ariel Henry a un bilan. Yo pas capable bail bilan avec nation. Pendant un bagabay bilan, les gens frais à location, ils ont une machine dans le mélo, ils ont un fils gaz, ils ont quatre téléphones, et l'argent, les gens qui vivent mal dans ce pays, l'argent est gaspillé. Ça fait nous dire aujourd'hui, là, pas de accord en septembre. Parce que Ariel Henry, pas qu'à venir renouveler, régénérer PHTK là encore. C'est sous base ça, nous lancer un vibrant appel avec tous les militants, rejoindre la RIA. Bataille a fait commencer parce que quand vous déraciner Ariel Henry pour pas renouveler PHTK là, faut que nous fassions. Yo pas tant pile, mais discours yo pas changé non plus. Sinon, à bas kidnapping, à bas insécurité, chômage à la vie chère dans pays d'Haïti. Militants yo pas négliger exprimer frustration yo sous massacre cité soleil là sans oublier bilan yon l'année gouvernance Ariel Henry a qui c'est une catastrophe depuis plusieurs années pays a en bas contrôle yon série nèg exam qui la cause en pile moun perdit la vie yo et puis qui fait population a vivre à kè sauté plusieurs rapports sorti côté toute qualité moun perdit la vie yo ou sinon trouvé yo en bas mes bandits. Autorités concernées ont assemblé pas agi assez pour combattre phénomène ça qui passe suspendre développer dans le pays. En nous suivant papier à Rose d'Aline Pierre. Ça fait longtemps déjà en bas de drapeau papa des Salines, non? C'est un seul cantique qu'a chanté avec une seule qualité mot. Insécurité, kidnapping, vol, viol, exact assassinat qui gagne pour seul dirigeant, yon paquet gang exam qui est en koyo sous territoire national là et puis caprégné en mettre saigné. Pourtant, situation pas toujours comme ça. Qui donc, qui ça qui vient la cause développement phénomène si là? Nous tout songe période côté tout monde te paix sorti avec téléphone yo pour voler pas prendre li nan men nou yo. Tant ça t'a semblé passé et puis fait place à qui pi mauvais phénomène parce que même nèg exam sa yo vinn lagé koyo nan yon l'autre manèv qui t'a semblé pi rentable pou yo. Yon ti groupe tabli koli nan yon zone en particulier et puis commencé simé la troublay nan kidnapper, touyer et puis violer moun pour créer moyen pour terroriser yon population nan l'idée pour montrer yo gen contrôle territoire yo. Yon ti temps après, nous commencé tande parler des divers groupes gangs, tant qu'outil appli, Katsamarozo, Izo, Genève, ak lot encore qui envahit toute zone dans la capitale là, à quelques villes provinces, parmi yo, gang Savien dans la Tibonite, qui était la cause, zone sa te presque disparaître. Mauvais gouvernance l'État en particulier, mettait bandi yo pi confortable dans Simaye la Perez, et puis vinisel chef kap décidé, ki lè pou moun soti bousquer la vie, ki lè tout yo dwe rete fermé en dedans à jou pa yo, ap tande bon jan troubadou katouche pendant toute yon journée, sans mettre point de pied yo de yo pou yo pa perdi la vie yo. Chef bandi tombe jodi, yon lot te geta paré pour remplacer li longtemps. D'après yon rapport qui soti, dans l'année 2019, c'est environ 76 groupes bandits qui t'ont gagné sur un seul petit 27 750 km². Pour le moment, ça y est là, n'a point de zone qui est panier. C'est un coup, c'est un virus malin qui a gagné quoi dans tout le pays. Pour nous, c'est viré tourner ou t'as des affrontements entre gangs, côté yon paquet innocent a perdu la vie. Si nous faisons coup de regarder dans ce qui est pire récent, côté plusieurs gangs a pas affronté dans Cité Soleil, plus passer 200 innocents sont victimes, soit a perdu la vie ou bien sorti blessé en bas bal bandi et c'est pas première fois ça a privé samedi 16 juillet groupe gang nan kafou fey ak jaco rentré au même tout dans un affrontement qui déjà la cause plus passé yon dizaine moun perdi la vie yo puis loin dans un rapport au commissariat nations unies pour droit moun mette d'ailleurs samedi 16 juillet passé a yo fait konnen premier semestre année 2022 yo enregistré 934 zak assassinay 684 moun ki blessé ak bal bandi et puis 680
20 kidnapping dans pays d'Haïti. Viré tourner dans radio ou tande rel yon maman qui perdit petite li. Yon papa k'ap mande libération pour fouiz entrai li ou sinon yon madame policier k'ap mande sekou. L'onage population, c'est pi gros manifestation la Pérez yon ressenti. Lè ap pran la ri pou al chache la vie pour famille yon pa trepase en bas grand goût. Tout ça ou tande a, mouche l'état pa di yon mot. Attitude ça paraît suspect, mais pièces moun pa ka pale. Sa ki gen moyen yon pito kite pays a, yal vive nan pays blanc ou joine sécurité malgré yon pa fin à l'aise vrai. Sa ki fin étudié nan faculté, yon soti chache moyen pou poursuivre étude nan pays l'autre bord de l'eau parce que yon bouke vive ak ke sauté. Konsa tou, genyen ki gen moyen mais ki deside rete vive nan pays a. Ou ap jwenn tou si la ki pa gen l'autre choix, yon oblige rete la a vive chaque jour tant kou c'était dernier jour yo. Nèg exam sa yo, c'est petite maléré ki deside pran chimé facilité a pour sauver en bas grand goût ak toute qualité manque yo te ka genyen. Yon pa gen l'argent ni puissance suffisant pour dominer kon sa sans âme yo. C'est dans sens ça en pile moun a poser tête yo question. Ki côté bal sa yo soti? Est-ce que gen yon main caché ka plonger zam bay petite soyette pour manipuler yo yon façon pour faire même pays a lè yo vle et puis permettre business yo marché jan yo vle. Yon série question ki poko fin clair. Mais en attendant, plis saisi fait dans la douane côté même non l'église impliquée dans trafic zam illégal ak munition. Mais vrai, lèn gade. Est-ce que ti messe sa yo gen moyen pour acheter qualité calibre zam nou kon wè la police saisi yo ak quantité munition yo kon a passé soleil tant que c'est les paysans a passé grain diri la tibonite yo soleil n'a rappelé avec il est la ri capitale là côté té kon plein ti moun sans abri nou té kon a prélé kokorat yo vinnra en pile pendant groupe gang yo pas suspend augmenter effectif yo ak yon série ti visage innocent. Bref, ça c'est un autre dossier. Est-ce que pays a condamné pour le rete en bas contrôle nèg sa yo? En tout cas, en pile facteur, ta fait comprendre. Si dans 10 l'année encore, situation a continué, j'en lié, pays a pralé même côté ancien nèg banan nan trouvé lia, jounen jodi a, nan pays sans chapeau. Rose Darline Pierre, Island TV. Les amis téléspectateurs, c'est ma deuxième pause là. Il était branché, pas déplacé. Merci là ce que toujours été branché chez mes téléspectateurs mes récentes informations. Office de protection citoyenne en tête collée avec Avocats sans frontières Canada en Haïti procéder à classement officiel un projet qui relie guide pratique sur le recours en habeas corpus jeudi mercredi 20 juillet 2022 dans l'hôtel Kinam. Guide pratique le recours en habeas corpus là c'est un outil technique qui permet acteurs judiciaires et organisations qui défendent les droits humains lutter contre problématique détention préventive prolongée. Document ça élaboré dans cadre projet qui relie accès à la justice et la lutte contre l'impunité en Haïti. Protecteur citoyen Renan Edouville a porté plus de détails et précisions sur le projet dans le micro Gélène Joissin à Kakerwin Perville. L'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-au-Prince est de 3698. Le chiffre, bien évidemment, au moment où nous parlons, est à la hausse. Dont 363 condamnés et 3335 personnes en détention préventive prolongée. Cela nous donne un pourcentage sensiblement égal à 90% de personnes en attente d'une décision de justice. C'est une violation des droits de l'homme. Qui plus est, si on se réfère au code d'instruction criminelle, le ministre qui est là le sait très bien, pour avoir consacré des années d'expérience à ce dossier, si on se réfère donc au code d'instruction criminelle, il est fait obligation de tenir dans chaque juridiction une session criminelle au moins tous les 6 mois pour les affaires relevant du jury.
Mes chers amis, la dernière assise tenue au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince remonte à 2018. En clair, tribunal première instance Port-au-Prince fait assise criminelle avec assistant jury pour des crimes de sang, par exemple, ça n'est l'assassinat de loi, fait obligation à chaque juridiction pour que yon organise yon tribunal assise criminelle avec assistance jury. Au moins chaque 6 mois, tu as supposé gagner 2 assises par année. De l'autre côté, Angela Tilka, qui est premier secrétaire coopération humanitaire, ambassade Canada en Haïti, exprimer préoccupation liée sur le système judiciaire haïtien, précisément dans ça qui vient pour un système carcéral. Là. Angela Tilka pense organisation droit mounio et tout avocat sans frontières Canada capable de travailler ensemble pour porter une solution dans la question de détention préventive prolongée. Dans une intervention liée toujours dans le micro Genève Joassin à Kakaoune Perville. Ce projet vise, entre autres, à défendre les droits fondamentaux de la personne et à améliorer l'accès aux services et aux résultats judiciaires pour la population haïtienne. C'est sous le chapeau de ce projet que nous nous trouvons réunis ici aujourd'hui, spécifiquement pour couvrir et lutter contre une problématique qui vive de nombreux membres de la société haïtienne qui sont en conflit avec la loi, la détention provisoire abusive. Il est bien documenté depuis de nombreuses années que la pratique de la détention provisoire est non seulement courante, mais plus souvent, elle est la norme et non l'exception. Alors que de nombreux secteurs de l'économie haïtienne traversent une période difficile, je pense que vous savez mieux que moi que le système judiciaire et pénitentiaire haïtien a connu un certain nombre de problèmes. En plus de certains dysfonctionnements du système de justice en matière de la poursuite des crimes, les personnes incarcérées, y compris celles qui n'ont pas été condamnées, vivent malheureusement des existences très difficiles dans le système carcéral haïtien, car les circonstances pénitentiaires sont en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. On pourrait, et on devrait même, aller jusqu'à dire que les conditions de détention dans de nombreuses prisons haïtiennes représentent des atteintes importantes à leurs droits humains fondamentaux. Bien que nous ne puissions pas résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontées les personnes détenues en conflit avec la loi, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les résultats judiciaires et réduire les cas d'abus potentiels des droits de l'homme, y compris ceux qui se produisent dans le cadre de la détention provisoire. C'est pourquoi le lancement aujourd'hui de ce guide de bonnes pratiques sur le recours en habeas corpus est si important, parce qu'il signifie la disponibilité d'un levier efficace à la disposition des membres de la société civile et de la communauté judiciaire d'Haïti pour lutter contre les détentions provisoires en Haïti et contribuer à faire cesser les violations des droits des personnes incarcérées. Cela permet non seulement de faire vérifier le caractère arbitraire ou illégal d'une détention, mais il peut aussi être utilisé pour faire cesser toute autre action des autorités administratives ou judiciaires qui menacerait la liberté individuelle et pour vous aider à donner aux Haïtiens un meilleur accès à la justice pour tous les membres des communautés haïtiennes. De ces éducations, amis téléspectateurs, ministère d'éducation et de formation professionnelle MENFP dans tête collée à Kakoumédie sans frontières Haïti COSAF et puis UNICEF lancé officiellement quand 2022 en baptême joué pour la vie. Je n'ai mercredi 20 juillet 2022 dans sens ça ministre d'éducation Wesley Maniga fait connaître yo paré pour recevoir plus de passer 1400 timoun pour participer dans cancila. Plusieurs représentants en cours directeur COSAF représentant UNICEF pour citer ça récemment t'est présent dans le cadre de lancement de ça qui permet tout le monde de recréer une façon pour apprendre pendant les vacances d'été. Franklin Pierre et Président Forte sur place pour plus de détails. En suivant.
Amis téléspectateurs Island TV, yon gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur journal là jeudi qui c'est mercredi 20 juillet 2022. Nous présents actuellement là dans lycée Jean-Marie Vincent de Caradeux côté que yo a lancé officiellement yon camp 2022 jeux pour la vie. Nous connaît depuis ces périodes été toujours gain activité pour jeunes. Nous pas suivre comment lancement ça lui-même li pral fait parce que c'est dossier éducation assurément ministre éducation qui s'est laissé Maniga lui-même là présent dans dossier ça nous pas suivre comment activité ça lui-même il va dérouler. Dans le package que vous avez, le ministre, pour faire jouir les élèves un peu de loisirs sains. Et cette opportunité, avec cette prestation de la COSAF que nous venons de voir, nous pensons que les élèves vont passer un mois plein de plaisir, comme disait le slogan, nous pas qu'attendre, parce que les élèves ont besoin de plaisir ça. Pendant qu'il y a plein plaisir, il y a pas prendre. Et opportunité ça offrit à toute l'école qui est dans la zone avoisinante. Je rencontre le ministre là, et je parle avec jeune Kozafio. Je dis, et je reconnais ça, que c'est bien pour être capable de faire une démarche de proximité. Je dis, c'est bien que y a un responsable, y a une autorité carrée en jeune, qui parle en jeune, comment sentir, qui est capable de faire. Et jeunes là capable de sentir l'utile. C'est bien quand je rencontre les techniciens, les autres du ministère, de FNE, de l'UNICEF, et nous dit ensemble qui ça nous capable de faire. Et je dis, premier jour, lancement camp d'été 2022, avec thème Jouer pour la vie, jeunes yo dit déjà, y a marché. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est honoré d'accompagner le ministère en collaboration avec d'autres partenaires dans cette initiative qui vise à offrir à des enfants, des adolescents et des jeunes dans plusieurs zones de Port-au-Prince et du Grand Sud des espaces de jeu et d'apprentissage pendant la période estivale. De tels investissements se justifient quand nous pensons aux impacts de la COVID-19 qui a entraîné la fermeture prolongée de l'ensemble des écoles du pays et de la violence armée qui a affecté les écoles situées dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et environ. Nous tenons également compte des conséquences du tremblement de terre du 14 août 2021 sur la communauté éducative dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et des NIP. Quand d'été 2022 sous thème « Jouer pour la vie », c'est parce que l'école pas qu'à camper et l'école pas qu'à attendre. Ministère avec tout partenaire lio t'es décidé à ça avec support reste gouvernement pour que dans zone qui plus difficile yo nous continuer encadrer tout petit monde et ça qu'a fait jodien Tabal qui pral accueilli ti moun k'ap sorti ti place Kazo Bois Blanc Taba 27 Torsel Peignier et tout l'autre côté que n'a pas invité vin nan kay directeur lycée Jean-Marie Vincent qui accueilli nan nous dit que c'est yon nan premier activité que ministère a à faire avec partenaires parce que nous avons continué pour nous accompagner et accueillir Timon Badelman dans Port-au-Prince, La Saline. Nous avons réfléchi pour nous continuer le travail. C'est pour ça responsable l'école Cité Soleil là pour nous qui gens nous capable accompagner malgré situation difficile là
et puis bien sûr Matissa. Voilà amis téléspectateurs Island TV, vous avez suivi comment lancement ça lui-même l'était qui c'est lancement camp 2022 qui portait nom jouer pour la vie. Là-dedans tu as pile représentant là, représentant UNICEF là, ministère éducation avec représentant COSAF là et tout staff ça qui était là pour être capable lancer camp ça pour une façon pour jeunes capable recréer et apprendre l'autre bagaille pendant moment vacances 2022 là. Et bien c'était avec nos Fredeline Pierre, avec Paz Blanfort, depuis Port-au-Prince Haïti pour Alain. Mes amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Rectorat Université l'État d'Haïti, UH là, fait connaître, il paraît connaître nouveau décanat l'école droit et sciences économiques Gonaïves là. D'après Rectorat UH là, nouveau décanat là illégal parce que élection fait dès de la loi électorale université là. D'après déclaration Wilson Dolus, qui est secrétaire général UH là. L'autre information, les amis téléspectateurs, plusieurs employés dans SNGRS a déclaré bon jan condition de travail et nomination pour les gens qui a travaillé pendant plusieurs années dans la boîte là. Employés sa yo qui pas touché pendant plusieurs mois de travail. Dans ce sens, ça réclamé salaire yo avec bon jan matériel pour être capable de payer la population en service. Employés sa yo te dans le micro, Fredeline Pierre avec Kras Blanfort pour Island TV. Nous demandons parce que gen pile moun la ki vini yo vin travay, nou pa ka jwenn travay. Et si n'ap suiv la, kakou lòt kolèg mwen yo dil deja, tout nèg yo yo abandonné ici. Pa gen un chef la ki vini a part de Podiab et CP. Pa gen yon chef ki vini la, yo abandonné nou. N'ap suiv la, pa gen courant, pa gen gaz, pa gen rien et puis on équipe moun chita sous la couan moun yo vinn travay yo pa ka joine travay. Donc nous mandé nous pa négocier, nous mandé continuité pour moun yo nommé pour continuité ça nous pa négocier. Ça qui doit passer contractuel pour yo passer contractuel parce que nous te gen DG adjoint qui te dit lorsque moun nan fait 15 jours si m'pa trompé mou 22 jours moun sa li supposé petit l'état soit li nommé ou du moins li signé yon contrat. Nous di nous pa négocier ça parce que c'est maman, c'est frère, c'est seul qui dans la rue qui a ramassé tout son moun tata doué baga ou pas même qui prend odeur, c'est eux même qui dans la rue qui a ramassé. Nous di nous pa négocier ça, nous pa prend parole et nous dit pour nous finir si quatre là ne pas négocier jusqu'à maintenant nous tempérer et nous t'a souhaité yo pas quitter que nous en colère parce que l'en en colère pas gen moun k'ap ka kembe et nous très lèt nous pas gen kay pour nous dormir, nous gen tout problème et puis jou nous pas ka vinn travail y a ben nous problème dans la rue. Nous fini di bout, nous fini di bout, n'a fini di bout tellement n'a maltraité en bas fatra. Gende lè nous fin pousser fatra, nous pas ka supporter des épaules nous. Lè yo ben nous ti bran, nous pas ka joine pour nous bon ti ji parce que moun nous doué depuis sou route yo gen tan campé, y a tan ni mes amis. $1,800, n'a payé $60 machine chaque jour arrivé un mois, n'a contrôlé pour nous ouais à $60 par jour. Combien cob li vini les mois arrivé, combien cob nous était dans mes nous. Mes amis, c'est résier nous et parce que c'est malheureux nous et parce que c'est malheureux nous nous même cap mouler conne, c'est pas nous même cap bressi oa. Budget voté 2021 2022 grand pourcentage je mettais pour tout le monde qui travaille qui contractuel, yo dit pas là et me mettait quand même. Que nous mettons dans le bali dans ma joie. Nous avons souhaité que
pour le directeur général là, lever tes gens qu'on a pu lever pour nous joindre comme 2021-2022 comme augmentation salaire. Goup gang nan sa vyen ki pote nan gran grif a atake goup gang ti mepri nan Jean Denis yon lokalite nan Barye Leon, Kafoupey a Kajako nan Tirivye. La Tibonite jou kite samedi 16 jiye pase ya. Bilan pase la fotman sa enregistre plis a pase yon dizen moun getan perdi la vi yo ak a plize lot ki soti blese epi plize kay detui. Organisation missionnaire Maranatha nan kadan mission yo genyen pou preche l'évangile pendant yon fè action. Realize yon klinik mobile pou plize dizen citoyen. Jeudi mercredi 20 juillet ya nan Boudet nan Grand Place an commune Lester an Derville Seyan ki te pale nan non organisation an deklare nan micro Island TV. Yo organize klinik mobile sa nan lide pou ede moun ki pi mal nan lokalite se la an Derville Seyan. Pou plize detay nan micro korisponde nou nan la Tibonit Daniel Daniel pou Island TV. Nous Boudet Grand Place dans le cadre d'une activité clinique mobile que Maranatha organise chaque année. L'activité a visé consulter environ une centaine de monde qui ont besoin de soins de santé. Donc, nous avons déplacé depuis environ 7 heures. Et nous avons un personnel qui est avec nous, environ 2 médecins, nous avons deux infirmières, des pharmaciens et tant d'autres personnels qui constituent l'équipe là, de façon pour nous capables de porter ceux de santé dans un milieu qui est plus reculé. Nous connaissons un département qui a un problème de sécurité qui a valé terrain, mais nous braver le danger, traverser les zones. Nous arrivons là au prix du grand sacrifice, nous connaissons Carrefour Pay, donc c'est alors Jean Mounouille là, c'est Valais. De l'ombre de l'amour. Nous arrivons quand même, avec détermination que nous gagnons. Donc nous disons que nous n'avons pas de sacrifice qui trop pour payer ça, pour frères, pour camarades, qui sont en nécessité. Donc nous pensons que ça, une fois de plus, témoigner l'amour que nous gagnons pour la population haïtienne, l'amour que nous gagnons pour la population qui est dans la tête. Pour le côté soin de santé. Nous connaissons un paquet de zones, nous avons souhaité gagner des cliniques mobiles qui fait. Pour qui ça nous choisit Boudet Grand Place? Et nous choisissons Boudet Grand Place parce que nous n'avons pas un réseau spécial, mais quand même pour tout, tout côté nous faisons. Et nous réunis dans le niveau vote là, nous disons que nous choisissons une zone qui plus ou moins une infrastructure, cette infrastructure. Parce que pour d'être bien placé en zone, c'est à côté de là, on a remarqué que l'infrastructure là, au centre de santé qui est construit, qui est belle, et là, tout ça, on est déjà là, on n'a pas besoin de créer une nouvelle infrastructure, et c'est ça qui fait ces zones à choisir. Oui, la Bible a dit qu'on recevoir gratuit ou pas gratuit. Donc, étant que l'organisation qui travaille dans le domaine humanitaire, nous justement collectif fonds à travers les membres qui sont aux États-Unis et qui sont en Haïti, et le fait que c'est le monde qui fait des dons, donc on dit que nous avons fait consultation, nous avons un goût, nous avons réclamé de l'union, nous avons acheté médicaments, nous avons acheté tout ça que nous avons acheté. Donc, pour que nous avons gratuitement bénéficié de ce soin. Pour nous finir, amis téléspectateurs, 15 d'août Cap Vinila, pral fè vil ou Cap 352 l'année fondation. Avant fête là, yon magistrat yo Patrick Almonor annonce gros opération nettoyage pour propre cité Christophe là. En toute déclaration li nan micro correspondant nous nan Nord et Outre Dada pour Island TV. On a fait nettoyage, nous avons fait une synchronisation, et parce qu'on a travaillé sur une destination, nous avons mis tout ça avec cela, et nous avons toute direction concernée par la porte de l'île, nous avons des éclats de l'île, nous avons des police de l'île,
et le secteur privé de la chambre de place représenté. Nous avons un GDNH qui a fait des destinations touristiques. Pratiquement, nous avons toutes les institutions concernées par la question des destinations. Et d'acheter la tour, on dépose des problèmes pour un. Et pour des problèmes de détails, explications sur les. Nous faisons une belle réunion de travail. Et ils sont réunion de synchronisation pour nous regarder qui fait quoi. Et c'est pour ça que nous pouvons tout acteur s'arrêter la matin. Et ça fait que nous soutenons de très bonnes résolutions. Et que nous allons mettre en exécution pour permettre que nous mettions là, par exemple, là pour faire là. Mais pas seulement pour faire là, mais pour tout le reste des journées à venir. Et puis là, quoi. Maintenant, qui synergie? C'est-à-dire que nous avons commencé d'abord à faire semaine à sensibiliser les gens pour déplacer, pour qu'ils soient sur le trottoir, pour qu'ils dans l'autre zone, qui occupent le trottoir pour le lever, marcher en avant les doigts et marcher. C'est-à-dire que normalement, à partir de semaine 28, nous avons conférence de presse que nous lançons le ministre culture, le ministre tourisme et TPTC à plat, pour que nous lançons formellement, tout officiellement, toute activité de nettoyage, d'embellissement sur la commune cavaïtienne. Destination de cavaïtien, c'est son vision, son rêve. L'idée, c'est de faire cavaïtien et retourner comme une vraie destination et événementiel, touristique d'ici 2030. Ça, c'est vision. Mais nous avons des objectifs que nous fixons. Et en fonction des objectifs, ça, c'est des objectifs à court terme, à moyen et long terme. Bien dit, c'est un problème de sensibilisation, problème d'éducation très faible. On a travaillé sur le plan ça tout. En même temps, tout, nous, notre deuxième mariage, c'est sortir de Ramassara pour passer dans plein de collègues. Parce que nous avons essayé d'empêcher Fadra de venir dans la rue. L'autre mariage, c'est ce qui va remplir Fadra, c'est le marché. On a travaillé sur le plan de gestion des marchés, prise en charge des marchés publics. Pour que nous allons regarder comment nous sommes capables de faire des films, on va pas de la rue publique, pour que nous ayons des films qui sont responsables pour gérer les marchés directement. Laissant Fatra, sécurité, tout le monde des films. Et en retour, il y a un pourcentage sur comme qui entre et la gestion de la chaîne. Ça fait que plusieurs mesures nous annoncer malheureusement, pas de nous prenons plus de mesures, nous prenons plus de mesures, c'est vraiment qu'on est. Mais il y a une force de frappe là. Toutes mesures que nous avons, c'est la police qui est là. Mais ça m'a dit, on connaît la police qui est effective, mais ça m'a dit tout le temps pour gommer avec la police pour permettre que. Par exemple, nous allons arrêter sur question de circulation, de circulation, de circulation, nous allons arrêter sur question de déchets. Mais il m'a dit qu'on est là, c'est. Nous n'avons pas de police municipale, nous n'avons pas de police administrative. Le seul espoir qu'on a, c'est la police. Maintenant, la police va toujours au rendez-vous pour faciliter tout ça. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez-nous rappeler tout grand point. Gouvernement haïtien a organisé une cérémonie de distinction pour 65 policiers jeudi mercredi 20 juillet 2022 pour récompenser pour le travail accompli sur le territoire national. Le directeur général de la police nationale, France LP, n'a pas caché contentement pour la cérémonie là et puis fait connaître la police là pour faire un bon usage avec le matériel gouvernement mettait à disposition. 20 juillet 2021, 20 juillet 2022, marqué une année depuis Ariel Henry prend tête au pays. Après le mot président Jovenel Moïse, c'est dans la logique ça, plusieurs structures politiques mettent tête ensemble pour lancer une journée de manifestation sous champ de masse là pour dénoncer mauvaise gouvernance Ariel Henry avec le dernier massacre qui fait dans Cité Soleil, côté environ 300 morts mouris selon RNDDH. Office de protection citoyenne en tête roulée avec Avocats sans frontières Canada en Haïti pour céder à classement officiel. Il y a un projet qui est le guide pratique sur le recours en habeas corpus, journée mercredi 20 juillet 2021, qui est un outil technique qui permet à acteurs judiciaires et à l'organisation qui défendent les droits de lutter contre la problématique de détention préventive prolongée. Ministère d'éducation et formation professionnelle MENFP, dans tête collée avec Comédie sans frontières Haïti, COSAF et puis UNICEF, lancé officiellement quand d'été 2022 en baptême joué pour la vie, jeudi mercredi 20 juillet 2021. Côté yo paré pour recevoir pis, ça passe 1400 timoun pour participer dans le concile là, qui pral permettre tout timoun recréer pendant y a pas prendre pendant vacances d'été. Ça ensemble pense à yo à campé l'autre qui t'est développé, et t'es branché télévision à LNTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.